Elles étaient maltaises, elles venaient de Malte. Mon arrière-grand-mère serait arrivée avec sa petite fille, avec sa fille, qui est ma grand-mère, Carmela Farrugia. Et mon arrière-grand-mère, c'était Maria Azzopardi. Je demandais à mon père si la pasta alla carrettiera était pareille que la pasta con l'aglia. Et il m'a dit, ah si, mais ça vient de Carreta. Et c'est là qu'il m'a parlé de sa grand-mère. Et il me racontait que sa grand-mère avait une petite baraque sur la route de Benarus. Et elle préparait à manger pour les carrettieri, pour les gens qui faisaient les transports avec les charrettes, souvent des Maltais. Et donc, elle avait apparemment cette petite cabane où elle cuisinait pour les gens qui passaient de là. Oh, la carrettiera è fatta con... En francese ou en italien? In francese. Ah. Ben, la recette des pâtes à la carrettera ou de pasta con l'aglia, comme on disait nous, on appelait ça. Donc c'était de la tomate fraîche écrasée avec de l'ail coupé tout petit et du basilic et de l'huile d'olive. Voilà. Puis on faisait cuire les spaghettis et on mélangeait tout ça. Et d'ailleurs c'était un plat qu'on faisait quand... quelqu'un arrivait à l'improviste le soir, on disait « Ah, fâchez ma pasta con l'aglia ». Et donc, ça finissait comme ça, en un repas amical, c'était joyeux. Alors, tout le monde se mettait à éplucher l'ail, les tomates, et en un tour de main, la recette était faite et les pâtes aussi.